Dans ma famille, on n'a jamais fêté Noël. J'ai peur qu'il ne pense pas à moi. T'en fais pas. Je suis sûre qu'il n'oubliera jamais un aussi gentil monstre. Gna 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 gna. Et vas-y que je t'embrasse. Gna gna, et vas-y que je te serre. Tant de gentillesse, ça me dégoûte. Berk. Et d'abord, c'est pas juste là. De toute façon, pourquoi Kitou fêterait Noël et pas moi? Tu veux peut-être quelques petits boulons dans ton café, mon crapouilleux? Ouais. Oh, ça c'était bien vissé, ma crapouillette. Quoi? Non, mais je rêve! Une assiette toute propre et rangée, c'est un scandale! On m'insulte chez moi! J'exige que le coupable se dénonce sur le champ! C'est moi. Le gratin de crotte de nez était trop bon, j'ai léché l'assiette jusqu'à la dernière miette. Et tu peux me dire pourquoi tu ne l'as pas ensuite jeté par terre comme tout le monde? J'ai pas fait attention, je te demande pardon. Et puis quoi encore? Tu me demandes pardon maintenant? J'en étais sûr, ça devait finir par arriver. Baburk tourne mal exactement comme son frère. Peut-être, mais lui au moins il a de la chance parce qu'il va pouvoir fêter Noël. Et alors? Ça lui fera les pieds, c'est bien fait pour lui. Moi aussi, je veux le voir, le Père Noël. Et je veux aussi avoir un Père l'arbre de Noël et des guirlandes et des cadeaux. Et j'aimerais aussi qu'on s'embrasse tous. Quoi? Tu veux qu'on s'embrasse? Non, quelle horreur! Pitié, plutôt mourir. Oh, fais quelque chose, reste pas comme ça. Réjouis-toi, ma fille, car tu as devant toi bien mieux encore que le Père Noël. Je te présente Limon, Père Poubelle. Waouh, trop génial, Limon de Père Poubelle. Oh, j'adore cette idée. Peu que c'est bien au programme de ce soir. Fanfare monstrueuse, dégustation gratuite d'immondices bien pourries. Et enfin, coup de pied à volonté. Dans les fesses? Mais oui, ma fille, des coups de pied aux fesses. C'est tout de même mieux que les bisous, hein? Préparez-vous, ça va chauffer. Et c'est parti pour la monstrueuse nuit du Père Poubelle. Tiens, tiens, on dirait que papa et maman sont déjà passés par là. Kitou va être drôlement content de voir que le Père Noël a pensé à lui. Ah, le pauvre, quand je pense qu'il n'a jamais fêté Noël avec sa famille. Alors, est-ce que tu l'as vu, le Père Noël? Pas encore. Et pourtant, j'ai tout fait comme tu m'as dit. J'ai pas quitté le ciel des yeux une seule seconde. Tu sais, il doit attendre qu'on dorme pour ne pas se faire voir. Allez, viens, mon petit monstre. Au lit. Pourvu que la nuit passe vite. Eh ben, je crois qu'il est temps que j'aille au lit, moi aussi. Petit papa poubelle, hein?
de parmiers. N'oublie pas des monstres adorés. Oh là là, je sens qu'il va y avoir du grabuge. Faut pas rater ça. Regardez cette merveille! Vert, mon parfum préféré! Elle est pas de gâchis! Bon, les produits sont de qualité, d'accord? Mais ça manque un peu de choix. Tu ne trouves pas? Quelqu'un aurait vu la fiotte! Ah, laisse tomber, Val nous rejoindra plus tard, le vieux. Waouh! Ça y est, voilà exactement ce qu'il me faut! Ah, ah, tremblez, braves gens de Lille-la-Ville, car voici maintenant venir l'incroyable fille du père Poubelle. Allez quoi, Père Noël, viens vite s'il te plaît, j'aimerais tellement te voir. Hein? Petit papa Poubelle, quand tu tomberas du ciel, et hop, gare à vos fesses les morveux, j'arrive, c'est ma tournée. Yeah! Oh, le Père Noël. Pour Pépé, pour Babeur, pour Mémé, pour Babeur, pour Babeur, ça aussi et ça aussi. Lucie, Lucie, réveille-toi. Oh non, Kitou, rendors-toi, c'est pas l'heure. Non, il est là, je l'ai vu. Mais qu'est-ce que... Qui est là? Un quoi? J'ai vu le Père Noël. Le gros là, pour Babeurk, ça aussi, pour Babeurk, et ça encore, pour Babeurk. Tiens, et celui-là, c'est pour Kitou. Avec les compliments du Père Poubelle. Hé hey! Là, c'était lui. Oh? Ben où sont passés les cadeaux? Il n'en reste plus qu'un. Regarde, on dirait que celui-là est pour toi. Pour moi? Oui. Pauvre petit monstre. Dis-moi, Lucie, c'est toujours comme ça, Noël? C'est la nuit du Père Poubelle. C'est la nuit du Père Poubelle. On mange, on danse, on vomit. La plus belle de toute la nuit. Lumière et que la fête commence. Waouh, c'est beau. Oh tiens, ma bonne chichi, quelque chose me dit que ça va te plaire. Tiens, et ça c'est pour toi, vieille croûte. Tu l'as bien mérité. Une compote de papier toilette? Tu l'as fait exprès, j'ai horreur de ça. Bingo, comment t'as deviné? Et joyeuse Poubelle. Et ben quelle fiesta! Ohé, les affreux! Tu peux être fier de ta fille, Père Poubelle. J'ai piqué tous les cadeaux de Lucie, ceux de Kitou et même ceux des voisins. Ah, dans mes bras, ma petite limace adorée! Mais moi, je suis... Allez, pleure plus, le Père Noël est gentil avec tous les enfants. Ouvrez-moi, vite! J'ai vu un truc incroyable! Barre ou plainte, mes cadeaux! Oh, c'est pas vrai! Décidément, on peut vraiment faire confiance à personne aujourd'hui. Oh. C'est rien, ma petite crevure chérie.
Tu sais quoi? Je vais te préparer un soufflet à la mousse à raser exactement comme tu les aimes. Ouais, et du jus de coco là. 1, 2, 3, on y va. Ouais. Pour nos cadeaux, pas de problème. Mais pour ceux de nos voisins, qui va les ramener? Le Père Noël, bien sûr. Je vais m'en charger. C'est à cause de ma monstrueuse famille, tout ça. Et en plus, il n'y a que moi qui suis assez agile pour sauter sur les toits. Et maintenant, ça va être à nous de jouer, les Pères Noël. Jamais. Le Père Noël, je l'ai vu là-haut. Oui, bien sûr qu'ils tous, c'est ça. On est tous très fatigués, tu sais. Je crois que... Ah, c'était réellement le Père Noël cette fois-ci. Il a écrit « Comment ai-je pu oublier le plus gentil des petits monstres ?» Et c'est signé le Père Noël. Ça alors, j'en reviens pas. Hé, hey, regardez. Le Père Noël existe. C'est une savonnette au lilas. Et en plus, elle me ressemble. Oh là là, il t'a trop gâté, le Père Noël. Petit papa qui pue la bouse de vache et le jus de chaussette. Ah ouais. Quelle classe quand même. Merci papa Poubelle. Tu as été très gentil, salut.